Salut, c'est Shunchi et moi aussi pour ma deuxième saison en solo de Let's Play Shun 2. Ben voilà, ça faisait longtemps, il y a très longtemps d'ailleurs, même plus d'un an, j'avais réalisé une saison en solo. Une saison en solo que j'ai regardé les premiers épisodes récemment. Et ça m'a donné envie de rejouer une fois en solo sur Minecraft modé. Vu que Nibiru n'est toujours pas sorti, vu qu'on a des problèmes avec NCPC qui n'est toujours pas sorti, j'attends, j'attends, j'attends. Et donc finalement, j'ai décidé de me lancer dans une petite saison en solo sur un pack de mods que j'ai réalisé personnellement. Donc c'est pas un pack de mods Feed the Beast ou quoi que ce soit. Il y a donc 87 mods. La spécialité, c'est qu'il n'y a pas GregTech, mais j'ai remplacé GregTech par Tinker Construct. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Que tous les mods, j'ai réalisé une petite page Excel où j'ai le nom du mod ainsi que le lien de téléchargement que je vous mettrai dans le lien de la description, comme ça vous pourrez télécharger tous les mods et jouer dans les mêmes conditions que moi. Donc voilà, maintenant c'est parti, on va se créer un monde. Première chose, on donne le nom de la map. Let's play, en espérant que j'ai pas fait de faute, Shun 2. Option on, défaut off, off, c'est bon. Et on donne un petit nom, let's play Shun 2. Hop, voilà. Done et je crée le monde. Pour éviter les lags, je vais couper l'enregistrement maintenant et je reprends une fois que je suis sur la map. Voilà, je viens de charger et je suis donc prêt à jouer. Bon, il y a déjà un petit bug, ma mini-carte vient de planter. C'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a à vous dire? Oui, première chose que j'observe, c'est que j'ai ma barre de vie qui se trouve là-haut. Ce qui est assez problématique et j'ai quelques coups de lag, mais à mon avis c'est le temps que la map charge, vu que j'ai repris l'enregistrement assez rapidement. Ouais, j'ai beaucoup de lag même. Et ce qui devait arriver, arriva. Mon jeu a déjà crash. C'est pas grave. Donc, j'étais en train de vous dire que me voici sur ma nouvelle map où je compte bien réaliser mon petit let's play. Donc, on va directement commencer par récolter du bois. Le temps que je vous explique ce que je compte faire sur cette série, etc., etc. Alors, avant de me lancer dans quoi que ce soit, je voulais vous poser une question. Peut-être que vous jouez avec le mode qui me fait ça. Je pense que c'est Tinker Construct, mais j'en suis pas sûr. En haut à gauche, vous voyez que j'ai ma barre de vie. Alors qu'elle devrait se trouver au milieu à côté de ma barre de nourriture. Bizarrement, elle est là-haut. Je pense que c'est donc Tinker Construct, comme j'étais en train de vous le dire, qui me fait ça. Bien évidemment, j'en suis pas du tout sûr. Alors je voulais savoir si vous le saviez, et si vous le saviez, est-ce que vous pouvez me le dire comment on fait pour la déplacer ou quoi que ce soit, car ça me dérange un petit peu que ce soit comme ça. Hop, alors là, comme d'habitude, dans tout Minecraft, on commence par se faire ses premiers outils en bois. Voilà. Donc là, vous voyez que je suis censé couper, enfin je suis censé, je coupe tous les bois vu que j'ai pas installé le mode Tinker. Qu'est-ce qu'il y a à vous dire? Je ne sais pas encore à quel mode je vais jouer jusqu'à la fin. Il y a peut-être certains modes que je vais rajouter, certains modes que je vais retirer, selon mes besoins, etc., etc. Rien de très très spécial. Hop, voilà. Alors j'ai reçu aussi un livre de Tinker Construct, hein, si je me trompe pas, qui me donne, pour commencer, premier jour, il faut obtenir ça, j'imagine. Je sais pas s'il y a des interactions. Ah, s'il y a des interactions. Ah bah voilà, donc il y a des recettes à faire au tout début, conseils, tout ça. Je vais d'abord récolter un petit peu de ressources, un peu de bois et tout ça, et on verra après ce que me demande de faire ce livre. Donc je n'ai pas encore regardé de vidéo tutoriel sur le mode, sur les modes que je joue et tout ça, je voulais le découvrir un petit peu au fur et à mesure. Natura Race. Oh d'accord, bon. Donc je voulais découvrir le mode au fur et à mesure que j'y joue hein, pour avoir un petit peu de plaisir, voilà. Bon, sinon là actuellement je vais bientôt rentrer en blocus, donc le peu de temps que je vais avoir pour me détendre, je vais certainement les passer sur Minecraft. Vu que c'est un jeu au final où on doit être assez créatif, où on peut réfléchir à tout et à n'importe quoi en même temps, quelque chose qui me plaît.
énormément dans ce jeu donc. Hop. Ah. Ça fait tellement longtemps que je vous... Enfin, tellement longtemps. La dernière fois que je vous ai joué, que je vous ai parlé comme ça, c'était sur Terra Firmacraft. Mais Terra Firmacraft, la différence, c'est que c'est un jeu qui est assez stressant au final. Vu qu'il tout... Vu, surtout dans ma saison où je ne pouvais pas mourir et tout ça, où je devais courir dans tous les sens. Et là sur cette saison-ci, je suis un peu plus à mon aise, un peu plus tranquille. Je suis moins attaqué par le temps et tout ça. Bon, je vais récolter le charbon que j'ai vu un peu plus loin. Ah bah il y a du charbon ici, parfait. Hop, du charbon. Je vais aussi me faire une pioche, tous les outils nécessaires. Dans les premiers matériaux, enfin premiers matériaux en bois quoi, en cobble pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais faire? Ben je regarde un petit peu ce que le mode Tinker Construct me propose de faire avec son livre. Vu que c'est un des crafts assez facile, on verra bien comment faire et tout ça. Encore une fois, comme je vous l'ai dit dans la saison précédente, j'espère que cette saison-ci va vous plaire, que vous allez me donner des conseils vu que j'entame cette saison comme étant un gros noob, un gros débutant, ne connaissant pas spécialement le mode. Peut-être le connaissant, et je l'espère, moins que vous. Comme ça, vous allez pouvoir m'apprendre des choses. Mais j'espère aussi, après un certain moment, après quelques épisodes, pouvoir vous surprendre avec des choses que vous n'étiez pas du tout au courant. Donc ici, on trouve notre premier matériau, qui est du copper du mode de thermal, grâce au mode Waila, je pense, qui me permet de savoir... qu'est-ce qui est quoi? Alors j'espère que je me trompe pas sur les noms des modes. C'est pour ça que j'avais installé justement le mode qui me permet de faire ça. Ou c'est de base en NUI? Ah, je sais plus. En gros, j'ai programmé ça de telle manière à savoir quel mode je suis en train d'utiliser ou que quel cube je découvre de quel mode. C'est plus facile dans nos recherches, surtout dans mes recherches vu que voilà. Sinon, au point de vue vidéo. Combien de vidéos je compte faire, qu'est-ce que je compte faire, etc. etc. Alors, au point de vue de cette série-ci, je compte plus ou moins faire au moins 50 épisodes, vu que j'aime bien le chiffre 50, je sais pas pourquoi. Au moins 50 épisodes de plus ou moins une durée de 30 minutes chacun d'eux. Avec comme montage des accélérations. On va continuer un petit peu dans le truc. Donc, il me disait stick, ok. Donc, on va faire des sticks, voilà, comme ceci, ça me fait une blank pattern. Ensuite, je regarde ceci, blank pattern plus un bois, ça me fait une stealing table. Hop. Hop, voilà. Hey, j'ai obtient un nouveau livre, j'ai l'impression. Intéressant, Tinker Construit me plaît bien pour le moment. On va un peu progresser et on va peut-être commencer à construire un premier campement de l'apatite. Du mode, si je ne me rappelle pas, bien foresterie. Parfait. Mouton, tout ça. Ma map m'a l'air assez sympathique. Quoi qu'il y ait des grands bois que j'aurais dû retirer en début de partie. Hop. Alors on monte. Ah, un biome neige, ça je suis pas trop fan. Est-ce du pétrole que je vois là? Ah, mes cœurs sont mauves. Ah, du poison, c'était du poison. Ah là là. Je pense que je vais m'installer par ici, hein, pas trop loin. Aïe. 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 Donc, je pense que ce coin-ci me paraît plutôt pas mal. Ouais, je vais me construire ici. J'ai entendu un creeper. Ah, petit creeper, allez viens. Viens te battre, je vais te découper la hache. Non. Bon. Donc je disais que j'allais m'installer dans les environs ici. Ça me laisse assez de place. Ouais, ici ça me paraît plutôt pas mal. Donc, on pose la table, on reprend ceci. Alors tout ça est en anglais, donc je ne peux pas le comprendre malheureusement. Ensuite, ça, c'est une table et... Part crafter. Bon, on va faire aussi une part crafter. Je ne connais pas du tout le mode. Hein. Là, c'est vraiment de la pure découverte en pure life. Voilà. Et avec une bûche de bois, si j'ai bien suivi. Voilà. Que je pose à côté. Je reprends après mon livre et je regarde. Le prochain craft est ceci.
Apparemment, il m'en faut plusieurs de ça. Alors, il y a déjà 4 tables. Ainsi qu'une pattern. Oh, c'est déjà compliqué là. Waouh là là là. Tool Forge. Robbery Bush. Un Time Travel. Happen Hippo. Une Score Bush. Connor. Robbery. Nanana. On peut trouver des minerais. Je me suis un petit peu renseigné quand même. Slim Channel. Waouh, on peut faire des bois. Des bois. Ouais. Des barricades. Écoute. Et quoi, avec ça, je peux faire quelque chose? Ouais, je peux l'évoluer en celui-là. Et celui-là, je peux l'évoluer. Ok. Bon. Je ne pense pas que ça, c'est très important au début de saison. Et j'ai tellement parlé que j'ai oublié le principal. C'est de me faire de quoi? Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne chie, tu t'embrouilles. Non, je ne chie. C'est pas ça qu'il fallait faire. Shunchi, Shunchi. Mon beau Shunchi. Donc on va se faire une épée, deux épées même. Hop, et on va se faire deux pioches. Hop. Hop, voilà. Donc tac, 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 tac. Non, j'ai un Vauterix, donc ça devrait aller pour le tri. Ainsi que qu'une pelle. Et on va aller vite avant que la nuit se tombe complètement. On va vite tuer quelques animaux. Je ferai de l'élevage qui sera plus facile que sur l'autre mode là. Hop, allez, on va vite te tuer, petit cochon. Voilà, est-ce qu'il n'y en a pas un autre? Ah, il y en a d'autres ici, parfait. Et est-ce que je trouverai vite une grotte avant que la nuit tombe, que je puisse aller la visiter tranquillement? Ah, est-ce une grotte? Ça m'a l'air que oui, même si elle est très petite. Dartcraft, ça me plaît énormément. Dartcraft, j'avoue aussi, c'est la nouvelle version de Dartcraft que je ne connais pas du tout. Non, il n'y a pas grand-chose par ici non plus. Je voudrais juste me trouver une petite planque, enfin une petite grotte pour ma première nuit, c'est toujours plus sympathique. Alors, est-ce que ceci est une grotte? Ceci est une grotte avec un donjon. On a du charbon. Un donjon à un zombie. Bah, on va prendre cette première grotte comme première nuit. Oh, toi. Il est bugué. Non. C'était un petit coup de lag. Hop. Hop. Et si je fais F6, F7, F7. Voilà. Parfait. Donc, je suis en vie. Et j'ai mon portal gun dès le début. Ta 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 ta. Ah, dire que... Ouh là là. Hop, hop. Donc on va s'installer ici. Bah voilà. Ce sera ma première maison. Je vais m'installer ici. Je vais rechercher l'autre nuit tout ce qu'il faut pour m'installer. Mes premières nuits dans les environs. On va reposer une torche pour éviter que ça spawn vraiment. Hop. Et là on va dire que c'est bon. Hop, hop. Voilà, là c'est bon. Et petit zombie, tu vas mourir. Alors on va vérifier si le micro est activé quand même. Hop, le micro est activé, c'est bon. Donc on va s'installer. On va donc se recrafter une table de craft vu que je suis parti en laissant toutes mes affaires derrière moi. Doué comme je suis. Alors on va s'installer avec le truc à zombie. Super rassurant. Hop, on va se faire un four pour pouvoir cuire ma nourriture. Ah, j'ai pas de charbon dedans, j'imagine. De l'iridium? De l'iridium? What? Ah mais j'ai pas Grektek. Ah c'est de l'iridium d'Industrial Craft 2. Wow. Ça fait beaucoup d'informations en un coup pour moi. Franchement, je ne sais pas d'où je débarque, mais je débarque de loin. Ah, du charbon. Hop, parfait. Ça me suffira pour cuire ce que j'ai à cuire. Hop. Tac, tac, c'est parfait. Bon, rien de grand, de vraiment passionnant qui va se produire maintenant. Je vais juste me réaliser un petit accéléré. Pour un petit accéléré, juste le temps de miner les ressources dans le coin. Et vu qu'il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant à vous montrer pendant cet accéléré, je récolte tranquillement. Allez, à tout de suite.
Bon, voilà. Je viens de faire ma première nuit de minage et j'avais une question à vous poser suite à celle-ci. Est-ce que ça vous intéresse ou pas en fait les nuits de minage? Est-ce que vous préférez un accéléré ou est-ce que vous préférez tout simplement que je passe tout ça et que je reprenne le, enfin que je fasse une coupure quoi, comme je faisais, enfin. Comme que je faisais comme avant quoi, enfin comment dire, comment expliquer, comment se faire comprendre. Avant, au tout début, quand je jouais, j'avais fait ma première saison, donc Shenwan, j'avais tout réalisé en un trait et je vous ai montré exactement toutes les séquences, sauf après un certain moment où je faisais beaucoup trop d'accélérés que pour avoir du contenu. Donc là j'avais arrêté. Mais sinon, tout le début de saison, j'avais fait que des accélérés pour montrer que je me givais rien et tout ça. Il n'y avait aucune seconde qui me manquait, sauf peut-être entre deux épisodes où je me faisais très très rapidement ranger mes coffres ou des trucs chiants qui ne sont même pas intéressants d'accélérer. Donc là c'est à vous, mes abonnés, de me dire ce que vous préférez. Et donc là je suis en train de me dire que me faire une ma première base en tout cas, voire peut-être ma base finale, dans les bois, dans les bois, dans les... dans le... dans la montagne serait pas si mal. Mais bon, à voir. Hein. Mais je pense que donc si je me l'installe ici par ici, ce serait pas si mal. Yop, 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 yop. Ouais, donc je pense que je vais la faire comme ceci. Après, à vous de me dire ce que vous en pensez. Donc là, je me construis rapidement une première planque. Une première planque très rapide. De quoi vivre mes premiers jours et peut-être l'agrandir par la suite. Donc, donnez-moi. Oh, ça c'était un petit clic. Donnez-moi votre avis pour que je sache si je fais ça comme ça ou pas. Vu qu'après tout. C'est moi qui vais y vivre en cette maison-là, mais vous allez me voir jouer un bon paquet d'heures, donc il vaut mieux que la maison soit agréable aussi bien pour vous que pour moi. Donc donnez-moi votre avis, ce sera bien simple. Donc là, je pars sur un petit accéléré, le temps de réaliser la baraque. Oh, il m'a fait peur ce zombie! Oh, qu'il m'a fait peur! Oh, purée! Oh, purée! Ah, ça faisait longtemps que j'avais plus aussi peur! Surtout d'un foutu zombie, quoi! La peur, ça me manquait pas, hein. C'était pas un sentiment qui me manquait, hein, franchement. On peut pas dire ça. Oh putain, j'ai eu. Mon cœur, il a fait boum boum dans mon cœur. Dans mon corps. Boum 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 boum. Hein. Il a au moins frôlé 200 km/h. Hein. Au minimum. Hein. Qu'est-ce que je voulais faire? Hop. Alors, je voulais me dire que remonter par ici, c'était peut-être un bon plan. Hop. Non, c'est peut-être pas un bon plan là. Mais là, c'est un bon plan. Ok. Hop, on se fait des échelles, une trappe et c'est bon. Donc,
Hop. Tac, tac, tac. 3 d'or peut-être me suffire, peut-être pas. Comment on fait une trappe déjà? Ah, petit crash. Non, trappe. Hop, comme ça. Youp, une trappe. Et on va peut-être surfer encore une série d'échelles. Et c'est bon. Ok, c'est parti. Donc là, jusqu'à présent, j'ai encore rien fait qui est en rapport avec les mods. Hein, mais alors là, strictement rien. Voilà, comme ça, j'ai accès à ça. Il me faudra encore un peu de... Je voudrais bien encore récolter un petit peu de sable avant d'aller me coucher. Alors, comment il s'appelle? Tinker Construct rajoute aussi des graviers qu'on peut miner à la pelle. Et qui se trouve la plupart du temps à la surface, j'ai l'impression. Et ben ça nous fait du minerai, mais un peu différent quoi. C'est du gravier. Bon, moi je trouve surtout que ça prend un peu plus de place, mais sinon l'idée en soi n'est pas trop mauvaise. Alors hop, hop, et ça me fait une nouvelle pelle. Je vais récolter le gravier là en plus. Enfin le gravier, le minerai c'est de l'aluminium je pense. Aluminium ouais. Et je vais aller chercher un peu de sable pour pouvoir me faire quelques verres, vu que mon entrée de maison va se faire en verre. Alors, quel autre mode que j'ai aussi installé, que j'aimerais bien essayer cette saison-ci? Des modes que je... qui ne sont... Enfin, j'ai surtout essayé d'installer des modes qu'on ne va pas utiliser sur... qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas utiliser sur Nibiru, donc tel que Computer Craft. Pourquoi? Car tout simplement quand on utilise Computer Craft et qu'on est noob comme moi, qu'est-ce qu'on fait? On copie on copie les dossiers bien préparés, bien cheatés dans notre ordinateur pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Effectivement, je suis un noob donc je vais pas me gêner du tout à utiliser cette méthode-là. Donc voilà, vous êtes au courant. Si vous avez des trucs cheatés ou pas seulement cheatés, moi je dis cheatés car ils sont tout préparés, mais je veux dire des trucs utiles, intéressants, des trucs qui pourraient m'intéresser éventuellement, n'hésitez pas à me le montrer, à me donner un lien pour savoir déjà à quoi ça sert, car je sais pas vraiment ce qu'on peut faire avec Computer Craft. J'ai envie de dire qu'on peut faire tout et rien en même temps, donc voilà, je suis un gros débutant et un petit freeze, c'est pas grave. Il y en aura d'autres tout le long de la saison. Quoi? Tu nous promets des freezes au premier épisode? Oui, je vous promets des freezes au premier épisode. Donc, on pose deux torches, hop, hop, hop. On retire ça, on prend le sand, on le met dedans. Ici, on a pris, j'ai fait cuire de la stone pour pouvoir reboucher cette partie-là, pour faire un peu plus propre. Hop. Quoi? Tu repousses tes trous avec la stone? Toi, Shen-Chi, au premier épisode? Oh! Mais dis donc, tu serais devenu meilleur qu'avant? Non, vous rassurez pas, c'est juste que... C'est juste le premier épisode, et alors je vais paraître un petit peu correct hein, pour attirer les gens. Mais sinon, voilà. Je vous reprends 2 minutes. Et donc, me revoici. Donc, en réalité, j'ai déjà tourné 30 minutes de vidéo, mais vu que 30 minutes de vidéo ne représentent pas le temps réel, vu que j'ai fait désaccélérer, je vais encore un petit peu jouer. Vu qu'il fait noir et que je suis pas à côté de ma grotte, on va continuer dans Tinker Construct. Parfait, mes deux livres sont là. Alors, mon prochain craft à réaliser est celui-ci et celui-ci. J'espère que j'ai encore du bois en fait. J'ai du bois, mais plus énormément. On va déjà tout transformer. Tac, tac. Tac, 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 tac. On va dire qu'avec 6, je suis tranquille. Hop, hop. Parfait. Ensuite, il me faut donc un ender chest. Un chest, hop. Hop. Et celui-là, ça me fait un nouveau. Un pattern construct. Ok, aussi on enchaîne sur le prochain. Tac tac tac, on était à celui-ci avec une table de craft cette fois-ci. Est-ce que j'ai une table de craft sur moi? Parfait.
Ok, j'espère que toutes ces tables me servent à quelque chose au final. J'ai l'impression que oui. Mais non, à quoi? Ça, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il me reste encore à craft? La tool forge. Ouais, je vous vois venir avec vos crafts tout spécial là. Drying rack. Je ne sais pas ce que c'est. Et. Je dirais que c'est tous les crafts que je puisse faire pour le moment. Bon, on va dire que c'est tous les crafts que je puisse réaliser pour le moment. Place un pattern et un matériel à gauche pour obtenir. Ouais, en fait, ça sert à rien que je m'aventure là-dedans vu que je ne connais pas le mode tout simplement. Mais bon, ce sera déjà, on va dire, toujours ça de fait, non? Oui, on peut dire ça. Hop, et on va prendre un petit peu de fer pour que je puisse me faire une pioche en fer. Allez, vas-y. Et on ferme le tout. Tac, tac. Parfait, ça me fait une petite zone. J'imagine que j'ai pas pris de laine, bien entendu. Bien sûr que non. Ce serait trop bien sinon. J'ai encore un peu de nourriture, mais plus beaucoup. J'ai encore un peu de bois, mais pas énorme non plus. Je prends ça. Est-ce que j'ai mis des sticks dedans? J'ai mis des sticks dedans. Hop, je me refais de quoi la miner et je vais aller directement miner après. Hop. Et on se refait quand même une pioche en fer pour la forme. Surtout que là je n'ai pas Grec Tech, donc normalement le craft je peux directement le réaliser. Oui, ce n'est pas des crafts super hardcore comme l'autre me propose. Hop, alors on met un truc ici. On sort, et si j'ai vraiment besoin de revenir à la rescousse en mode je suis dans le caca, je dois faire demi-tour, ben je pourrais faire demi-tour à tout moment. Alors il n'y a pas de grotte par là, mais je pense que j'ai plutôt spawn par là. J'ai rencontré une grotte dès le début. Alors là, je ne suis pas sûr du tout de moi. Est-ce qu'il y a une grotte par ici? On dirait que non. On dirait que non. Bon, je fais un petit accéléré, je vous reprends une fois que je suis bon. Et je suis tué. Non, il y a trop de monstres hostiles par là.
les amis, l'épisode est presque fini. Je ne sais pas combien je serai exactement 2 minutes. Est-ce que je suis proche de 30 ou non? Je ne sais pas. Si je m'arrête largement avant les 30 minutes. Moi, je suis désolé, mais avant de faire le prochain épisode, je voudrais faire quelque chose. Et pour faire ce quelque chose en question, je préfère me consacrer tout un épisode dessus. Donc c'est pas que j'ai envie d'arrêter maintenant. Hein. Bah, d'ailleurs moi je vais continuer à faire des épisodes là. Là je les arrête, on continue. C'est juste pour pouvoir enchaîner sur une meilleure transition. Ça me facilite un petit peu la tâche à vrai dire. Donc voilà. Ce qui me déçoit un petit peu c'est que j'ai pas beaucoup de nourriture pour entamer mon prochain épisode. Et que j'espérais trouver un peu plus de nourriture avant de commencer. Celui-ci, qu'est-ce que je vais faire entre cet épisode-ci et le prochain épisode? Ah, de la laine. Je voulais aussi un peu de laine. Entre cet épisode-ci et le prochain, je vais juste. Donc, je vous dis, hein, je vais pas jouer énormément. Je vais juste cuire ma nourriture de telle manière. Bah. Ah, oh, on drop des steaks. Ah oui, avec Dartcraft, c'est vrai. Ça me fait trop laine. Donc, juste. Faire un épisode pour ben ouais, du pétrole, ça c'est bien. Donc juste cuire ma nourriture pour pouvoir ben, directement enchaîner sur le prochain épisode sans vous déranger. Plus que cela, je vais peut-être aussi couper un ou deux arbres en attendant. Rien de spécial, rien où je vais prendre des risques et, où je risquerai mourir, de mourir. Ma base elle est par là, hein. J'ai honte de vous le dire, mais je me suis peut-être perdu. Non, c'est cet arbre-là. Non, je me suis perdu. Je m'y suis perdu. Et je m'y suis perdu. Ah là là. Non, c'est par là. C'est cet arbre-là, ma maison. Est-ce cet arbre-là vraiment ou pas? Oui, c'est vraiment cet arbre-ci. Je me suis retrouvé. Super. Bon. Donc sur ce les amis, je vous dis salut et à la prochaine. Bye.